Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, une chronique très attendue. Et c'est pourquoi on va passer du côté Game Room sur la chronique « Comment inspecter une machine à boules ». Dans cette chronique, je vais faire une révision d'une électromécanique, d'une System 11 et d'une WPC. Donc, étrangement, la première étape, c'est quand vous arrivez devant une machine que vous désirez acheter, assurez-vous premièrement qu'elle soit fermée. On ferme les machines. Pourquoi fermer les machines? Eh bien, tout ça est basé sur plusieurs années d'expérience de magasinage de machines. Et je sais que c'est déjà arrivé que quelqu'un se présente pour acheter, par exemple, une DMD et que la machine est ouverte, déjà. Eh bien, c'est important que vous l'ouvriez vous-même, ne serait-ce pour voir s'il n'y a pas des erreurs qui s'affichent sur le DMD. Ça va faire pang, 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 pang. Sur des systèmes 11, ça va être carrément le knocker qui risque de cogner dans la tête. Et des fois, le monde coupe le knocker pour ne pas que ça fasse le bruit des erreurs lorsqu'on ouvre la machine. Alors, vous êtes supposé ouvrir la machine et que ça fasse un beau boum! Évidemment, pour les électromécaniques, eh bien, normalement, c'est pas supposé faire de bruit. Une machine électromécanique qui a des problèmes de démarrage, vous allez peut-être entendre le scoring motor tourner en loop ou voir des scores continuellement tourner au démarrage. Et certaines personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'arrêtent manuellement pour que ça ait l'air bien beau au moment que le client arrive. C'est pas rare que des gens veulent tellement closer une vente qu'ils vont cacher des trucs. Et moi, je veux que vous ayez le flair pour contourner ces petites anicroches, ces petites approches un peu douteuses. Alors, là, on a trois machines en parfait état de marche qui n'ont aucun signal de défaillance à l'ouverture. Par la suite, une bonne chose à faire, c'est, bon, oui, regardez l'état esthétique, est-ce que le cabinet semble en bonne shape. Des fois, juste regarder les coins d'une machine peuvent donner un signe, à savoir est-ce que la machine a déjà été cognée, est-ce qu'elle a déjà été écréhanchée et est-ce que le câble a déjà pu avoir ouvert, comme par exemple la Terminator 2. Ici, je m'étais rendu compte quand j'avais tout décapé qu'il y avait une ouverture ici sur ce coin-là. Il a fallu que je le referme et que je le resserre comme il faut. Après ça, évidemment, regardez les pattes. Est-ce qu'ils sont complètement rouillés? C'est surtout le cas, par exemple, des machines électromécaniques. Il est très fréquent que les leg levelers sont complètement rouillés et jammés. Et ça arrive même que des fois, ça tient uniquement sur la vis. Alors, c'est important de vérifier ça. Juste, c'est pas quelque chose qui va dévaloriser la machine énormément, mais vous devez savoir que enlever des leg levelers rouillés, c'est super ultra plate. C'est une des affaires que j'ai le plus. Et c'est majoritairement du temps absolument essentiel à faire. Systématiquement, je ne sais pas pourquoi, il y en a tout le temps au moins une qu'il faut que je drille dedans, que je la casse, que je la scie, parce qu'il n'y a aucun WD-40 ou autre anti-rouille qui vient à bout de la déjammer. Donc ça, ben, c'est juste que vous sachiez que si vous achetez une machine avec des pattes rouillées, déjà là, vous avez du temps à investir pour mettre ça propre parce que vous ne voulez pas scraper votre plancher quand vous allez déplacer la machine. Après ça, par la suite, il y en a pour qui, par exemple, Corn Door, que c'est très important que la Corn Door aille ses monnayeurs et qu'ils soient fonctionnels. Pour ma part, je m'en bats les burnes. Je n'ai que faire que les monnayeurs soient là, mais je veux au moins que ça, ce soit complet, qu'il aille le petit panneau de diagnostic de boutons qui permet, en fin de compte, d'aller dans les tests. Et que après ça, par la suite, on peut faire le tour des bookkeeping, print-out, tant. Alors, voilà, ça, c'est quand même assez important que ça, ce soit là, que ce soit vissé, que ça fonctionne bien. Et puis, par la suite, qu'on est capable que les switches fonctionnent. Là, évidemment, ça fera absolument aucun impact vu que la machine est en free play. Vous assurez aussi que c'est pas trop rouillé, que l'interlock switch est là, que le mécanisme de déverrouillage de lockdown bar se défait bien. C'est hyper ultra important pour vous d'ouvrir la machine, de ne pas juste jouer, mais de carrément enlever la vitre et jouer la machine. Regardez en dessous du playfield, je veux dire. Avant de lever le playfield, je recommande fortement encore une fois de fermer la machine. Ne serait-ce parce que la fichetée, je me suis rendu compte d'une chose, quand je l'ai levé la première fois, je me suis rendu compte qu'il y avait un fil de ground braid qui dépassait d'une des vis ici. Et elle faisait un petit short.
Et est sûrement responsable pourquoi la drop target ne se lève pas. Alors, je vais sûrement avoir besoin de changer la diode sur le petit switch. Après ça, une chose qu'on constate aussi, c'est qu'il manque la barre de soutien dans la Fishtails. Et pour être franc, c'est pas rare. Je ne comprends pas pourquoi il n'y avait pas de barre de soutien, par exemple, dans la Getaway. C'est-tu la Getaway? La Doctor Who, il n'y avait pas de barre de soutien. Après ça, mon ami Alain, quand il a acheté sa Creature from the Black Lagoon, pas de barre de soutien. Where does all the barre de soutien goes? Where to go? Il y a peut-être une espèce de half de barre où ce qui, avec le poids des années de Playfield sur les épaules, se relief enfin. Mais j'ai plus d'une ressource dans mon sac. J'ai fait une barre. Alors, si on veut être capable de faire une inspection qui a du bon sens, je vais installer la barre à l'instant. Ma nouvelle barre est installée. Je l'ai faite avec une petite rod d'aluminium et je me suis même donné à faire un fil de ground qui vient s'attacher sur le bloc de power supply de la machine. Et puis, j'ai même fait un petit support. J'utilise des plaques de recouvrement de boîtes de jonction électrique. C'est une petite plaque d'aluminium assez rigide. Je peux couper ça sur l'acier à ruban. Je fais le petit pattern dedans. C'est parfait. Alors, OK. Il y a tellement de petites choses à regarder, à vérifier. Est-ce que, par exemple, il semble avoir des fils coupés avec du petit tape électrique un peu partout? Est-ce qu'il y a des modes un peu étranges qui ont dû être à s'alimenter à même les fils ici? Par exemple, c'est pas rare. Est-ce que la machine est propre? Est-ce qu'il semble avoir de la crotte de souris dedans? Est-ce que le système de verrouillage du playfield est en ordre? Ça m'est déjà arrivé de voir une WPC que tous les trucs étaient tellement tordus que c'était impossible de juger le playfield comme il faut. Est-ce que le kit de tilt est là? En dessous du playfield, assurez-vous de pouvoir actionner chacun des coils à la main sans aucune difficulté. Parce que des fois, ça arrive que ils sont jammés dans la graisse, ils ont été shootés à canette. Et vous savez que vous allez perdre la puissance si jamais vous n'êtes pas capable de faire ça. Est-ce que les yokes, est-ce que les pièces de Bakelite, comme celle brune et celle de métal juste au-dessus, sont en bon état? Très souvent, sont cassées. Ce qui est malheureux, c'est que quand on veut vérifier ça, on n'est pas capable de voir à même la pièce de métal. Mais la pièce de Bakelite brune, elle, déjà, est un bon indicateur de la condition du pop bumper. Est-ce que les coils sont slack? Est-ce que vous êtes capable de les bouger en va-et-vient? Si oui, ça voudrait dire que les braquettes, ça arrive des fois qu'il y en a qui sont cassées. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'ai acheté ma F-14, j'avais même pas d'assemblage de slingshot à gauche. Alors ça, c'était pas une pièce qui était facile à trouver à l'époque. Puis, est-ce que vous êtes capable d'actionner vos slingshots sans trop de problèmes? Est-ce que c'est complètement noir? Passez votre doigt sur le plunger. Si c'est complètement noir, quelqu'un a shooté ça à la canette. C'est jamais glorieux. Après ça, parce qu'on sait tous, des coils, il ne faut pas, mais pas du tout, les huilés. Vérifiez vos flippers. Est-ce qu'il y a un kit qui a déjà été fait? Est-ce que la end of stroke est bien ajustée? Est-ce qu'elle est présente? Est-ce que les deux lamelles sont là? Des fois, ils sont cassés. Et quand il en manque une, la end of stroke ne s'active pas. Est-ce qu'ils sont complètement noirs? Est-ce qu'ils ont été eux aussi shootés à la canette? C'est à vérifier. Encore une fois, gardez toujours un œil à savoir est-ce que vous avez des fils qui ont été rabouchetés? Est-ce qu'il y a eu un mode précédent qui fait que il y a quelqu'un qui a dû couper des fils et rajouter du tape électrique. Comme par exemple ici, je vois qu'il y a un fil là. Le fil du moteur du moulinet semble avoir été changé parce que c'est niaiseux. Ici, il y a un tie wrap noir, alors qu'à l'origine, dans Factory, c'est blanc. Alors on dirait que le connecteur ou le moteur a déjà été changé sur cette Après machine-là. ça, sur le dessus du playfield, assurez-vous de ne pas avoir la vitre, évidemment. Et vérifiez quand même assez bien les inserts. C'est les premiers à subir des dommages dus au passage de la bille. Et voyez-vous ici, il y aurait quand même de la bonne petite retouche de peinture à faire, éventuellement pour mettre cette machine-là en état collector. Mais pour la condition player dont elle est en ce moment, c'est parfaitement acceptable. Il n'y a pas peur de shaker les rampes et les pièces de métal pour voir si c'est soit fendu ou cassé, sans y aller trop énergétiquement. Ça vaut la peine d'être fait. Très souvent, ici, les vis sont rendues très, très dévissées, sont rendues slack. La bille ne tombe pas toujours au bon endroit à cause de ça. Vérifiez les pop bumpers, les shaker un petit peu. Ça aussi, ça peut être un indice. Comme par exemple, je me rappelle que lui, il a tendance à slacker les vis à l'intérieur. Comment dire,
Les trous des vis sont rendus un peu slack et il y aurait besoin de rajouter un peu de matière pour qu'il y ait plus de grip pour les vis. Après ça, oui, vérifier les lanes, la saleté en général, mais surtout vérifier l'état des pop bumpers, s'ils sont solides, les rampes. Est-ce que tout semble bien tenir la route? Après ça, oui. On peut remettre le jus dedans. Vérification rapide à savoir est-ce que toutes les lumières s'allument. En ce moment, à chercher Bill. Bien. Ça, c'est normal. OK. Voilà. Après ça, par la suite, c'est niaiseux, mais très souvent, il va manquer la serrure ici. Ça aussi, c'est où est-ce que vont toutes les serrures? C'est pas rare qu'ils soient manquantes, alors c'est quand même une bonne chose de vérifier que vous l'avez. Est-ce que tout le GI s'allume? Est-ce qu'il manque une moitié de GI? Ce qui est très commun. Ici, il est très lumineux parce que je viens tout juste de refaire les connecteurs. On ouvre le panneau. On peut retirer aussi le DMD, le laisser rouler allumé. Est-ce que vous avez toutes vos lumières, comme par exemple le MPU? La lumière du haut est supposée être éteinte, celle du milieu clignoter et celle d'en bas rester allumée. Si la machine, ce qui montre un très bon fonctionnement de la machine actuellement, et toutes les LED sont supposées s'allumer aussi. C'est très important de vérifier. Donc, dans une WPC, vos connecteurs J115, les J116 ici aussi peuvent avoir tendance à brûler. 116, 117, 118, 119, c'est toute la même alimentation. Après ça, votre J121, le J120. Ces deux connecteurs aussi qui sont très propices à brûler. Le J101 aussi, l'alimentation sur le board. Est-ce que les condensateurs sont tous identiques comme celui-là, c'est-à-dire comme d'origine, ou ils ont tous été changés? Est-ce qu'ils ont des formes différentes d'une à l'autre, ce qui peut indiquer que quelqu'un a déjà travaillé sur le board? Est-ce que vos sockets de fuse sont en bon état? Des fois, il y en a qui, quand ils enlèvent des fuses, ils partent avec des petites papattes et ça peut venir à péter. Est-ce que les condensateurs ont été changés non seulement sur le board de DMD, mais aussi sur le board de son ici? Est-ce que les batteries ont été déplacées? Est-ce que les batteries sont encore sur leur socket d'origine? Est-ce qu'il y a des batteries qui ont coulé? Dans ce cas-ci, elles sont encore là et ont été changées récemment. Elles datent de 2000. Ils sont bonnes jusqu'en 2023. Ouais. dans le meilleur des cas, ça serait carrément de passer deux fils, un plus et un moins, et d'aller installer un petit socket sur le côté ici. Ce que vous avez vos notes, très souvent, il manque les vis de serrage de la tête. Et malheureusement, trop souvent, la tête ne tient qu'uniquement par la clip à l'arrière, ce qui est dangereux. Si il manque, normalement, c'est des wing nuts que vous pouvez tourner avec vos doigts. S'ils sont manquants, moi, j'utilise des leg leveler de 2 pouces et ça fait très bien. Rien, des fois, ça arrive que quand les gens vont changer des lumières, des flashers ou des globes, ils vont peser tellement fort que les sockets ici vont tomber. Est-ce que le knocker est attaché? Ça arrive très souvent qu'il a été déconnecté. C'est important aussi que les gaines, comme par exemple ici, les gaines, je vais les remonter et les resserrer plus fort parce que eux, elles protègent les couettes de fil quand on plie la tête pour le déplacement. Et comme elle va être déplacée très bientôt, ça va être important que les fils ici soient bien attachés à travers le tie wrap qui se trouve ici. C'est votre protection parce que ça arrive. Dans les pires choses à faire vivre à une machine, c'est de la déplacer. Et c'est pas rare que ça ait arrivé que des connecteurs se défont au moment où ce qu'on plie la tête, ça tire sur toute la couette. Il y en a qui suivent pas. Et ça fait en sorte qu'il y en a qui se débranchent et qui fait en sorte que lorsque vous réassemblez la machine chez vous, elle ne fonctionne plus à cause de ça. Si la machine a un topper, est-ce qu'il est encore bien vissé? Est-ce qu'il fonctionne bien? Comme par exemple ici, le coil qui active la queue était extrêmement slack, il ne tenait plus en place. Je vais appuyer ici une fois pour arriver en mode test et je vais appuyer sur mon petit bouton rouge ici. Enter for main menu et je vais aller dans mes tests et je vais aller dans real test. Switch edges. T'as vu notre voir. Solenoid test. Alors, j'ai le ball shooter, la catapulte, le ball popper, right slingshot, left gate. Ça, c'est la petite gate en haut. Le knocker, back box fish. Et voilà, mon petit poisson. Voici pour le tour d'horizon d'inspection d'une WPC. Évidemment, vous regardez le cabinet, est-ce que les couleurs sont fidées, est-ce qu'il est en ordre. Mais je dirais en gros, assurez-vous que la machine fonctionne bien. Allez dans les modes de test,
Vérifiez que les switches fonctionnent bien, que les kick-outs vont bien. En fait, qu'il n'y a pas de message d'erreur à la base quand vous ouvrez la machine. Et puis, inspectez si le pire qui arrive, c'est de voir les traces d'anciens techniciens qui ont passé et qui ont fait des réparations un peu à la va-vite. Il faut se rappeler que ces machines-là, sur les planchers d'arcade, doivent rapporter de l'argent. Quand il y a un bris, le technicien se présente devant la machine et cherche à réparer la machine le plus rapidement possible. Pas toujours les pièces d'origine, pas toujours les bons outils. Et ça donne des mauvaises surprises. Alors, il faut jouer à l'archéologue et voir où est-ce qu'il y a des fils qui ont été raboutés, replogués, du jus qui a été pris à partir d'un colle. Bref, c'est ça qu'il faut avoir à l'affût quand on inspecte une machine, c'est le passage des différents techniciens qui ont fait du bidouillage improvisé trop souvent. Nous voici maintenant avec la Swords of Fury, Système 11. La majorité des différences va se situer dans la tête, donc l'afficheur alphanumérique. C'est sûr que c'est difficile à vérifier, mais ce qui peut arriver souvent, c'est que l'afficheur, comme par exemple celui-ci, est décollé. C'est simplement tenu par un tape double face à l'arrière, donc ce n'est pas vraiment preuve d'un gros problème à régler. Mais ce qui va arriver souvent, c'est qu'il va soit manquer du gaz, il va manquer des lignes d'affichage. Alors, c'est bon de vérifier que chacun des afficheurs s'affiche bien. Encore une fois, vous pouvez aller dans les modes test pour vérifier chaque segment qui affiche. Les systèmes 11 peuvent avoir une mauvaise réputation, entre autres à cause du Interconnect Board qui se situe ici. Alors, c'est bon d'y jeter un bon coup d'œil. Comme par exemple, voyez-vous, ce connecteur-là a été changé. Ça paraît tout de suite parce que ce n'est pas un IDC connecteur, c'est un connecteur Molex. Alors, ça peut donner signe qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dans cette machine-là. Pour justement des problèmes sûrement de GI. D'habitude, c'est ça le plus gros des problèmes qui arrivent, c'est la machine est toujours allumée avec des lumières incandescentes, ça fait brûler les connecteurs. Après ça, le board du power supply ici, est-ce que les condensateurs ont été changés? Ça, c'est le board d'alimentation de pas mal tout ce qui est le gros jus dans la machine. Ici, j'ai le board de son, je vais devoir changer les condensateurs. Est-ce que ceux-ci ont déjà été changés? Moi, je n'aurai pas le choix, je vais le faire parce que j'ai des problèmes de son à certains endroits, et puis mon Power Driver Board qui semble bien en ordre, et que je ne vois pas de traces de hack ou de... À première vue, on inspecte quand même chacun des connecteurs, mais tout semble bien en place. Après ça, ici, j'ai mon board pour tout ce qui est gestion de l'énergie qui s'en va dans les coils aussi, et les flippers, et ça semble bien en ordre aussi. OK, alors, comme je le répète, vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui a l'air d'avoir passé auparavant et qui a fait des rabibochages de fils un peu partout. Comme par exemple, une des choses que je n'avais pas checké, voyez-vous ici, j'ai un connecteur de brûlé dans ma tête. Je vais devoir refaire ce connecteur. Comme quoi, même si j'ai l'expérience, l'excitation l'avait emporté cette journée-là. Shame on me. Une électromécanique maintenant. Là, on tombe vraiment dans une autre gamme. Parce qu'ils sont très, très, très rarement en bon état et ont très rarement été bien entretenus. Vous les trouvez pour pas cher et il y a des bonnes raisons pour ça. En déclenchant le petit levier ici, vous déverrouillez le playfield et avez accès à une merveilleuse ingénierie électromécanique. J'oubliais un petit détail qui se rattache à toutes les machines. Vérifiez les bolts des leg plates ici. Si vous voyez des notes vissées, ça veut sûrement dire que le leg plate est strippé. Ce qui veut dire que si vous voulez juste, normalement, vous êtes supposé juste pouvoir visser la vis de l'extérieur. Poui, 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 poui. Mais trop souvent, ça a été forcé et l'intérieur de la leg plate est strippé et les gens rajoutent des bolts à l'arrière. Si c'est le cas, c'est pas un gros problème, c'est juste très chiant parce que surtout pour aller visser les pattes en arrière, faut se glisser la main avant tout. Alors, c'est à vérifier parce que moi, je sais que j'en ai jamais assez en stock. Des petits leg plates comme ça, là, c'est une denrée à garder en stock, surtout quand vous achetez des machines. Comme par exemple, il a fallu que j'en change une sur la Fishtails et j'en ai à changer sur la Swords of Fury et j'en ai changé sur la Centigrade. Vérifiez, est-ce que vos trois lamelles de métallophone sont là? Des fois, il en manque et très souvent aussi, ils sont brûlés. Est-ce qu'ils s'activent bien à la main? La première est facilement accessible, les autres plus difficiles, mais ça vaut la peine. C'est ce qui donne le son dans la machine. Il faut que les trois fonctionnent. Un autre détail qui se rattache à toutes les machines, vérifiez le plunger. Très souvent,
Très souvent, le rubber est manquant au bout de la pointe, ce qui fait que c'est le métal qui frappe la bille, et à force de frapper la bille, le métal s'aplatit et fait un effet champignon. Et si c'est le cas, je vous le dis, c'est vraiment chiant, ça va vous prendre les mêmes affaires, ça va prendre une demi-heure à une heure pour être capable de tout limer le shaft, parce que sinon vous n'êtes plus capable de l'enlever. Et si vous voulez changer les ressorts un jour, ça sera vous ne pourrez pas le faire tant que vous n'aurez pas limé la pointe du shooter. Vérifiez que vos ressorts sont en bonne shape aussi. Moi, ma Swords of Fury, par exemple, le barrel spring ici était coupé en deux. J'avais une pointe de ressort qui piquait la main quand on tirait. Je me demandais pourquoi. J'ai enlevé tout le shooter rod, j'en ai mis un complet pour me rendre compte que le shooter rod qui était dans ma machine était trop court. Et la façon de rendre le shooter plunger plus long pour être capable d'avoir assez de puissance à l'envoyer dans le diverter, ben, il avait coupé le barrel spring. Évidemment, j'ai retrouvé par la suite un shooter rod de la bonne longueur et j'ai pu mettre un barrel spring de la bonne longueur. Ouais. Les lamelles, c'est une bonne chose ici. Les switches, les pointes, les contacts des flippers, ça vaut la peine qu'ils soient en très bon état. Voyez-vous, je suis déjà rendu à les changer. Malgré le fait que je les ai souvent nettoyés, il va falloir déjà que j'y change pour avoir le maximum de puissance sur mes flippers. Les flippers aussi, ça doit être en bon état. Comme par exemple, moi, j'ai carrément changé les coils et j'ai démonté le système et je l'ai nettoyé. Est-ce que le end of stroke s'active bien? Est-ce qu'il y a des lames de manquante? Ça arrive très souvent, d'ailleurs, sur les Gottlieb de cette époque-là, qu'il manque une lame de contact, end of stroke. Il y a tellement de choses à vérifier dans une électromécanique, comme par exemple ici, je serais dû pour nettoyer mon coil de déclenchement de banque de drop target, que je trouve un petit peu jammé dans la semoule. Voyez-vous, je ne l'ai même pas fait souvent à cordonnier mal chaussé, je n'ai pas passé autant de temps dans ma centigrade que dans les autres machines. Même chose aussi ici pour l'activation des pop bumpers, faites-le à la main. Ça, c'est les banques ici de reset qui peuvent vous pouvez dévisser. C'est pas toutes les Gottlieb qui ont ça, mais souvent qui ont ça. Et vous pouvez avoir accès, en fin de compte, au nettoyage des lames de cette façon-ci. Très souvent, ça, c'est extrêmement sale. Et quand une machine se met à défaillir, ce que malheureusement trop de personnes ont comme réflexe, c'est de vaporiser de l'huile, du WD-40 et tout, sur les assemblages des relais et ça crée un magnifique bordel à nettoyer. Alors soyez à l'affût si tout votre assemblage d'électromécanique est complètement noir, ça veut sûrement dire qu'un propriétaire antécédent s'est fait aller la canette avec beaucoup trop d'énergie et d'enthousiasme dans la machine. Ce qu'on veut par exemple, ce qui est franchement vital et ce qui selon moi ajoute de la valeur à la machine électromécanique, c'est si vous avez les plans avec. Ça, et particulièrement, c'est sur une Gottlieb, parce que les plans de Gottlieb ne sont plus trouvables gratuitement sur Internet. Il faut absolument les acheter. Alors, si vous l'avez, ça, c'est un méga plus. La Centigrade 37, un des manques qu'il y a, il n'y a pas de système de bonus, mais c'est absolument nécessaire de le vérifier, ce qui s'active bien à la main. Ça va être un disque de Bakelite avec des petits patins qui tournent dessus. Actionnez-le à la main. Et vérifier qu'il semble bien se déplacer, qu'il n'a pas été complètement jammé. Les systèmes de bonus et les systèmes de changement de joueur. Dans les électromécaniques, les deux modules qui sont les plus défaillants, ce que j'ai remarqué avec expérience, c'est les systèmes de bonus et les systèmes, les player units qui sont à l'arrière de la tête, qui font changer en fin de compte le scoring du joueur 1, 2, 3 et 4. La Centigrade 37, c'est une machine, un joueur. Il n'y a pas de système de bonus. Je peux malheureusement pas vous le présenter, mais si vous achetez une machine à 4 joueurs avec un système de bonus, c'est à déconseiller si vous savez pas, vous n'êtes pas à l'aise de travailler dans l'électromécanique parce que ces deux modules-là sont très capricieux. Bref, si vous voulez une belle électromécanique, je vous suggère fortement une machine un joueur sans système de bonus pour avoir la paix d'esprit un peu plus longtemps. Sinon, les autres modules très défaillants dans les électromécaniques, c'est les systèmes de pointage, et en particulier les 10 points, parce que c'est eux qui sont les plus sollicités. Alors, dans les Gottlieb, vous pouvez les activer à la main comme ça. Et ça vous donne une idée si tout se passe bien. Et très souvent, quand il y a un problème de reset, que les points ne se rendent pas à zéro, c'est à cause des stacks de switch qui sont ici, mais surtout là.
Alors, ceux-ci ont souvent besoin d'un nettoyage si la machine a été longtemps dans un sous-sol sans entretien. Après ça, dans la centigrade, il y a un système de reset assez funky. Il s'agit en fait du thermomètre qui monte et qui descend. C'est vraiment pas toutes les électromécaniques qui ont des animations de bas glace. Celui-là, il a été bien reconditionné, fonctionne bien, mais ça peut être source de problèmes. Et puis ici, j'ai un ball count unit qui peut être très problématique aussi. C'est le petit module qui compte l'ajout des billes. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ce reset, ça aussi, c'est à réviser. Et puis ça, c'est l'unité des crédits. Il existe une technique assez simple pour mettre la machine en free play au besoin. Il s'agit de faire en sorte que la switch qui normalement est ouverte au moment où ce que le compteur est à zéro, ce que vous faites en sorte, c'est que vous pliez les lamelles pour qu'elles soient en contact permanent. Alors au lieu d'être ouverte au moment où ce que vous atteignez le zéro, elle est fermée et votre machine est en free play. Vérifiez les Jones Log. Est-ce qu'il y a des hacks qui ont été faits? Est-ce qu'ils sont complètement oxydés? Est-ce qu'ils ont été nettoyés? Bref, cette machine... Et puis, évidemment, les AX, JX, ceux-ci aussi nécessitent de l'amour. C'est ce qui active à la fois la cloche et l'activation du compteur de points. Et puis, celui-là, le F... S, c'est l'unité qui s'assure de faire le match à la fin d'une game d'électromécanique. Il va allumer au hasard une lumière dans le bas glace et si cette lumière concorde avec vos deux derniers pointages, comme par exemple ici j'ai un 20, on ne le voit pas très bien, mais en filigrane ici il y a plusieurs valeurs. Alors il y a des valeurs qui vont s'allumer au hasard un peu partout dans le bas glace à la fin d'une partie. Et si le 20 s'allume et que vous avez 20 points, vous gagnez une partie gratuite. Et c'est le petit FS qui gère ça. OK. J'essaie de faire ce cours. Il y a beaucoup de blabla. J'essaie de rendre ça intéressant. Mais en gros, quand vous voulez acheter une machine, laissez-vous pas aveugler par la quantité de mode et de LED. Même des fois, moi, je trouve que des LED, ça ajoute pas tant de valeur à la machine parce que il y a tellement de sortes de LED différentes. Il y en a des plus lumineuses, des moins lumineuses. C'est aussi tellement propre à l'utilisateur qu'ils ont acheté parce que parfois, par exemple, voyez-vous, sur ma Swords of Fury, le General Illumination, de certains endroits, il est bleu. Ben, j'aime pas ça. J'aurais préféré que ça soit blanc. Alors, le bleu, je trouve qu'il ternit trop les couleurs et ça fait en sorte que je vais devoir démonter ces lumières-là pour en mettre des blanches. Alors, pour ma part, c'est pas nécessairement si génial que ça qu'il y ait des LED un peu partout parce que ça correspond pas à mes goûts. Puis, j'ai découvert récemment les 2 SMDs, les 2 Surface Mounted Diodes que j'ai installés dans la Doctor Who. Et selon moi, c'est mes LED préférés. Mais c'est pas tout le monde qui aime ces LED-là, ils coûtent quand même assez cher. Mais je vais sûrement mettre des 2 SMD partout dans la Swords of Fury. Voilà. Ça fait que, laissez-vous pas aveugler par ça et attardez-vous surtout à savoir, bon, s'il y a des modes, oui, est-ce qu'ils ont été bien installés? Est-ce que le filage a été bien fait? Est-ce qu'il y en a qui pendent un peu partout? Est-ce qu'il y a des risques de choc de ground un peu à cause de, justement de ces ajouts-là qui ont été un peu mal faits? Par exemple, des alligator clips qui tiennent sur rien. Est-ce que vous voyez l'impression que soit un technicien ou un opérateur a fait des improvisations de réparation sur les machines? Le DMD, est-ce qu'il manque des lignes? Est-ce qu'il y a des affichages qui sont défaillants? Est-ce que vous avez des connecteurs de brûlé? Tout passe par puissance et connecteur. C'est la source de 80 à 90% des problèmes, c'est ça. Alors, c'est ce que vous devez focusser votre attention quand vous achetez une machine. Pas nécessairement sur les petites portes du cabinet. Ça arrive des fois qu'il y a des scratchs ou qu'il y a des trucs. C'est le fun que la machine soit belle. Mais avant tout, assurez-vous qu'elle fonctionne bien. Et si après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'esthétique, tant mieux, parce que vous travaillez sur des bonnes bases, une bonne fondation. Merci d'être à l'écoute. Et... je pars demain pour Allentown avec Mathieu. J'ai hâte! Comme ça, pas de bon sens que j'ai hâte. Jeff, tu vas me manquer. Tu vas me manquer, Jeff. J'aurais aimé ça que tu sois là. Mais je sais que c'est une obligation. Pas tourner le fer dans la plaie plus que ça. Merci d'être à l'écoute. Et on se dit à très bientôt. Et des images d'Allentown.